nom du secrétaire général Eric Dodo Bungenza et à mon nom propre, je vous installe dans votre fauteuil de responsable général du groupe socio-culturel au Colégon et je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions et toutes mes félicitations. Chères militantes, vous qui avez été promues ou reconduites dans vos fonctions de responsable général par les autorités politiques de vos provinces respectives, sachez que vous avez une lourde tâche. Pour cela, je vous adresse mes chaleureuses félicitations. Par conséquent, soyez à la hauteur de la confiance qui a été placée en vous par vos hiérarques. Pour réussir vos mandats, je vous exhorte de travailler en bonne intelligence avec les membres du Bureau national de vos provinces, car ce sont elles qui vous représentent au sein de la structure dirigeante de l'UFPDG. Parce que la gestion des femmes n'est pas très facile. C'est pourquoi je souhaite que vous fassiez montre de patience, d'humilité, de considération et de respect envers les militantes. Car ce sont elles qui font la force de vos groupes et de l'UFPDG. Camarades responsables généraux, installez avec vos bureaux un climat de confiance, de transparence et de solidarité afin que les militantes dont vous avez la charge d'encadrer vous prennent en exemple. Évitez la délation, l'hypocrisie, le clanisme et les divisions. Ce sont les comportements qui nuisent à la cohésion entre militantes et fragilise le vivre ensemble. Cultivez l'amour entre vous et soyez des militantes fidèles, disciplinées et loyales vis-à-vis du PDG et de son distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. C'est un sentiment de satisfaction parce que vraiment, j'attendais ce moment depuis. J'attendais ce moment et puis je suis vraiment très contente que ça soit fait. Oui, mes champs de bataille, c'est de faire revenir les femmes, de demander aux femmes de revenir, de supporter le PDG, de rentrer dans les groupes socioculturels. Parce que des groupes socioculturels, ce ne sont pas forcément les danses. Parce que c'est ce qu'on raconte partout. Dans les groupes socioculturels, nous apprenons beaucoup de métiers pour les femmes. Je suis très, 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 très joyeuse. Parce que depuis la création en 2003, j'ai toujours laissé la place à mes sœurs. Mais cette fois-ci, elles m'ont donné leur confiance. Mobiliser, faire en sorte que la femme, vous savez que c'est la femme qui est le maillon fort de notre grand parti.